Allez, reste. Reste avec nous, s'il te plaît. Salut tout le monde, c'est Flanou de retour sur notre survie FNAF, oui. Oh, bah, il fait nuit parce que Popette est réveillée. Ouais, salut Popette, ça va? Bon, normalement, je crains rien dans cette salle. Surtout si j'ouvre pas la porte parce que oui, il y a Springtrap de l'autre côté. J'ai pas envie de le voir, pas du tout. J'ai un nouvel ami dans cette salle, il s'agit de Golden Freddy en peluche. Et d'ailleurs, j'ai eu sa peluche ici. Puisque dernièrement, j'étais en live sur ma chaîne YouTube et on a fait un beacon. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, j'ai crafté un beacon qui a attiré plein de vagues d'animatroniques et le boss était Golden Freddy. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, la rediff du live est disponible sur ma chaîne. Oui. C'est parti! Aujourd'hui, on va mettre un nouvel animatronique parmi ceux que vous avez proposés dans les commentaires. Et on va aussi essayer de capturer la fantôme puppet. On va refaire un essai. Que vraiment c'est très très compliqué de la capturer, mais je pense que je peux y arriver. Également dans la précédente vidéo, je vous ai demandé quel pet de quel animal là vous voulez qu'on fasse, et en majorité vous avez demandé la chouette mystique, et du coup j'ai farmé pour la faire et on va pouvoir la découvrir aujourd'hui. Ça va être trop cool. Let's go, c'est parti. J'en profite pour vous rappeler que les épisodes sont tous les mardis, donc si vous n'êtes pas encore abonné, bah faites-le et activez la petite cloche, voilà. Allez, c'est parti, je vais commencer par lui faire un petit dodo, parce que là, il y a du monde qui est réveillé. Oui, salut Foxy. Salut Freddy. Je rase les murs dans ma base. Ok, au lit. Donc déjà, pour la salle des Security Breach, il va falloir que je les réorganise parce que je sais pas pourquoi j'ai Monty qui est dans le mur, là. Sors, purée, c'est la galère. Faut que je le remette ici, en fait. Parce que je sais pas pourquoi, mais lui, il bouge de partout. Et toi, Roxane, va-t'en. T'as rien à faire ici. Allez, zou. Mais déjà, on va commencer par faire la chouette mystique. Parce que j'ai trop hâte de la voir. Donc vous voyez, j'ai farmé tout ce qu'il faut. Ah oui, aussi au niveau des PNJ, il faudra que je fasse une usine à faire. Parce que je suis retournée miner et tout, donc ça va le faire, mais ça prend quand même un peu de temps. Donc la selle, du coup, j'ai fait un armurier. Alors, où est-ce qu'il est? Il se ressemble un peu de tous ces péons là. Ah, c'est lui. Et du coup, j'ai acheté la selle, vous voyez, pour 3 émeraudes. Ensuite, j'ai un prêtre qui achète la rotten flèche. Donc ça, c'est trop bien parce que ça me permet de générer pas mal d'émeraudes, vu que vous savez, au niveau de ma tour à mobs, ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobs vanilla. Et donc ensuite, je peux vendre bah, les loot. Voilà, oui. J'ai toujours pas découvert comment avoir les trucs des toys. Donc vous voyez, pour faire en fait les télécommandes pour ensuite bah, kidnapper les toys, je sais pas comment avoir les Red Remnants et les parties comme ça. Je me suis dit que c'est peut-être dans les pizzas abandonnées. Peut-être qu'il faut que j'aille tuer en fait les toys qui sont dans les pizzas abandonnées pour avoir leurs parts. Mais ça me paraît quand même assez long, donc je sais pas trop. Salut Tigrou. Ensuite, de ce côté-ci, avec les autres télécommandes que j'ai pu crafter, donc les télécommandes classiques on va dire, j'ai pu capturer pas mal d'animatroniques qui sont vivants. Alors par contre, ils font un de ces boucans. Donc j'ai Ballon Boy, Freddy, Bonnie, Foxy. Et j'ai aussi Chica et son cupcake diabolique, regardez. J'aimerais bien plus tard leur faire un truc un peu plus joli, entre guillemets. Là, c'est pas que c'est moche, mais c'est quand même pas terrible qu'ils soient comme ça au beau milieu de la nature. Donc ouais. Donc ça, pour les capturer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté les télécommandes. Regardez. Et ça, les parts comme ça, je les ai eues dans mon usine à mobs parce qu'en fait, ils spawnent naturellement ces animatroniques-là. Par contre, vous voyez, il y en a d'autres. Par exemple, il y a Frostbear. Je sais pas du tout comment avoir ça. Il y a Gigi. Je sais pas comment avoir les rouges et ça. Bon, il faudra que je me renseigne un peu plus, là, comment avoir les remnants bizarres. J'en ai jamais eu de ceux-là. Bon, déjà, on va aller faire la chouette. Si vous en savez plus, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai pas encore trouvé comment faire les toys et tout, mais bon. Alors, c'est parti. On va faire, du coup, la chouette. J'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oui! Ah, je suis sûre qu'elle va être trop belle. Allez, la chouette. Wow. C'est trop stylé, hein. Elle est où? Oh! Waouh, elle est trop belle! Oh my god! Oh my god! Je suis choquée, elle est trop belle. Waouh! Elle saute super haut! Elle vole ou pas? Non, elle vole pas, mais elle saute super haut. Waouh, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Oh, je l'adore. Oh, ses yeux, ils sont trop mignons. Comment on appelle la chouette? Proposez-moi un nom dans les commentaires. Je prendrai celui qui est le plus liké. Elle a pas de capacité spéciale, mais elle est trop... Oh, j'adore son cri et tout, elle est trop belle. Faudrait qu'on fasse une animalerie ou un truc où je mets tous mes animaux dehors.
Parce que vous voyez, ils sont un petit peu dispersés. Hein. Là, on a Tigrou. Là-bas, on a Coco. On a Montpandarou. Ils sont un peu dispersés, mais ouais. Oh, elle est magnifique. Regardez sa queue et tout. J'adore. Comment on l'appelle? Elle est trop belle. Je l'adore. Hein, tu voles bien, toi, mon Coco. Bah oui. Il nous sert énormément, Coco. Du coup, prochainement, il nous restera à faire... Donc, l'Alpha Bat. La chauve-souris Alpha. Ça, je crois que j'ai tout ce qu'il faut en plus. Ou alors, le canard. Vous préférez quoi, canard ou chauve-souris? En tout cas, on a bientôt tous les animaux, c'est trop cool, c'est un de mes objectifs. Un rourou. Bah oui, mon bébé. Donc, je suis trop contente, c'est trop bien. Vraiment trop bien. Oui. Maintenant, c'est parti, on va essayer votre stratégie pour capturer fantôme puppet. Ouais. Ce que je vous ai demandé dans la précédente vidéo, de me proposer des idées pour la capturer. Vous avez été nombreux à m'en donner pas mal d'ailleurs, merci beaucoup à tous. Donc la première idée, c'est d'utiliser un name tag. Et on va nommer ça fantôme puppet. On m'a dit que peut-être elle va pas partir. Ensuite, autre idée, c'est d'utiliser une laisse. Et encore une autre idée... Oh, Freddy réveillé. Salut Freddy. Ce serait de la mettre dans le noir. Vu que c'est un fantôme, en fait, elle aimerait pas les salles éclairées. Donc écoutez, on va essayer de faire ça. Je vais y trouver un petit coin obscur et je la mettrai dedans. Donc je vais mettre une porte. Comme ça, ici, ce sera sombre. Ok, donc, on va essayer de mettre fantôme pépette ici. Normalement, c'est assez sombre, non? Au pire, le placard, on le réutilisera pour mettre un animatronique qu'on aime pas, donc... Ok. Ok, donc c'est parti, vous êtes prêts? Je vais faire spawn Phantom Puppet ici. Après, je me recule. Et après, j'essaye de mettre le name tag. Ok. Regardez, il y a Gigi dans le mode. Bah d'ailleurs, dites-moi qui vous voulez au prochain épisode, hein. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va mettre Glamrock Chica, on va la découvrir. Regardez, il y a Mangle. Goldie, je sais pas qui c'est Goldie. Wizored, il y a les Wizored aussi. Groobler, je sais pas ce que c'est. Wizored Golden Freddy. Carl the Puppet, lui, je connais pas. Phantom Puppet. Regardez, il y a Phantom. Bibi, Chica, Foxy, Freddy, Mangle, Puppet. Ok. Non, 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 non. Tu te calmes. Ok. Alors, on va essayer de la renommer. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de la mettre en laisse. Non, la laisse, ça marche pas. La laisse, ça marche pas. En tout cas, là, il fait sombre. Attends, on va essayer de bien fermer. Qu'elle ait bien l'obscurité. Voilà. Là, c'est sûr qu'il fait hyper sombre. Je l'ai renommée, donc on va voir si elle reste ici ou pas. On va voir si ça marche, hein. J'espère. Je croisais les doigts. Reste, s'il te plaît. S'il te plaît, reste. Je t'ai renommée, s'il te plaît. Je la regarde bien. Je tourne pas mon regard. Allez, reste. Reste avec nous, s'il te plaît. Ah. Là, elle a l'air de vouloir... Non! Mais non, elle est partie! Mais non, mais là, j'ai fait tout. Je l'ai mis dans le noir et tout. Pff. Bah, la laisse, ça marchait pas, par contre. Non, je suis dégoûtée. Elle est partie. Bon, bah, je sais pas. Si vous avez d'autres idées, dites-les moi dans les commentaires. Parce que là, franchement, je sèche. J'ai fait un name tag, je l'ai mis dans le noir. La laisse, ça marchait pas, par contre. On l'a mis dans un bateau et tout. Enfin, franchement, on a testé plein de choses. Et bah, pour le moment, ça fonctionne pas. Elle s'en va à chaque fois. C'est trop bizarre. Et c'est parti. Du coup, je vais aller un petit peu réaménager la salle, là. Enfin, réaménager. Genre, lui, il faut que je le mette là. Et je pense qu'on va mettre Glamrock Chica aujourd'hui parce que c'est elle qui nous manque. Oui. D'ailleurs, j'ai envie de changer le vert là de mon aquarium parce que le vert blanc, je trouve qu'on voit pas assez. Regardez mes petits lapins, mes petits poulpes et tout. Donc écoutez, je ferai un test. En plus, récemment, j'ai refermé du vert. Et oui, ici, on a toujours Sendrap. Salut Sen. Il est trop content. Il est trop content d'être dans le minecart. Bon, par contre, faut pas venir le voir la nuit. Enfin, faut pas trop le coller, quoi. Et ici, on a Ballora. Salut, Ballora, ça va? Ah! Mais Ballora! Mais pourquoi tu me fais un screamer quand c'est le jour, là? Mais Ballora, elle a un problème. Elle m'a fait trop peur. Elle m'a fait trop flipper. Pourquoi tu m'as fait un screamer? En plus, elle m'a fait mal, hein. Elle m'a attaqué, là. Ça va, t'es calmé, là? Bah ça va, elle a l'air calmée, mais quand même, elle m'a fait un screamer. Bah vous voyez, si, elle fait des screamers, mais elle fait des screamers le jour, elle est bizarre. Elle. Ok, c'est parti du coup, on se retrouve plus tard. J'ai un peu réaménagé cette salle. J'ai enlevé un peu les étoiles comme ça, parce que je trouvais qu'il y en avait trop. J'ai changé du coup le sol. Voilà, comme ça on voit un peu mieux les poissons, je trouve. Et maintenant, on va faire spawn Glamrock Chica. Alors par contre, j'ai toujours une Roxane qui est en liberté, là. Je sais pas, mais bon. Ok, donc c'est parti. On va mettre, du coup, le nouvel animatronique du jour. Il s'agit de Glamrock
Chica, c'est trop cool, ça fait hyper longtemps que je l'attends. 3, 2, 1, Glamrock Chica. Oh, waouh. Oh non, elle bouge. Reviens, reviens. Bah, je crois qu'on va mettre sa statue aussi, hein, falloir que je la renomme. Mais elle, elle joue quoi? Elle joue de la guitare aussi, non? Ok, donc Glamrock Chica, et je vais mettre du coup sa statue. Coup, voilà, j'ai mis la statue, regardez. La statue, elle est trop classe, hein. Est-ce qu'on peut la bouger, la statue? Non, on peut pas, donc je vais enlever les trappes. Par contre, la statue de Monty, on peut la bouger, donc j'ai été obligée d'enlever les trappes. Eh, mais la statue, je la trouve plus cool que la Glamour Chica qui bouge d'elle-même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça. Ouais, elle joue de la guitare aussi, c'est bien ce qui me semblait. Ok, donc maintenant, la salle des Security Breach, elle est complète. Regardez. Ah, oh, c'est trop cool. Attends, mais par contre, Roxane, dégage, s'il te plaît, Roxane. Roxane, elle m'énerve, hein. Je crois que je vais la virer, hein. Est-ce que si je tape Glamrock Chica, elle me tue, vous pensez? Attends, on essaye. Oh, oui. Oh là là. Non. Non, s'il te plaît, non. Oula. Ne pas taper le poussin pillou. Attends, je vais regarder aux caméras si elle est derrière la porte. Ah oui. Bon, faut pas les taper, hein. Genre, ils sont gentils, mais si tu les tapes, non, ils veulent te bouffer. Purée, ça veut dire que je peux plus repasser par la salle Security Breach, là. Là, personne n'a bougé dans la salle des poupées. Spring Trap s'est rendormi. Non, personne n'a bougé, je crois. Chez Ballora, elle est toujours là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi elle m'a fait un screamer, hein. C'est trop bizarre. Bon, du coup, je peux plus repasser où il y a Glamrock Chica parce qu'elle va me bouffer. Donc attends, faut que je fasse tout le tour. Du coup, vous voulez qui au prochain épisode, dites-moi. Et puis, comment on appelle notre chouette? Notre super chouette, elle est trop mignonne. Ouais, trop chouette. Alors là, le dernier que j'ai fait ce dimanche, il se situe ici. C'est un énorme bâtiment. D'ailleurs, il y a des trappes et tout. Et Spring Trap, il va dedans. Il va dans les trappes et tout. Et d'ailleurs, il m'a tué comme ça dimanche. Il est super dangereux. Donc je me dis, pourquoi pas aussi dans ma base faire des conduits. En fait, j'en avais récupéré des conduits. Par contre, ça va être beaucoup plus dangereux hein, si je fais ça dans ma base. Hein. Mais ouais. Ensuite, j'ai eu ces trucs-là dans ma ferme. Mais j'ai pas compris à quoi ils servent. Alors, si on a un face cone et 4 Freddy, on peut faire un Freddy face block. Ah ! Ah oui, mais non, mais j'ai toujours pas les Frostbears. Ok. Mais il y a que sur Freddy que je peux faire un Freddy face block ? Ah si, il y a Nage, mais... Bizarrement. Mais bon, on va y arriver. Allez, allez, chouette. Bon, par contre, la chouette, elle est hyper utile pour monter les montagnes. Hein. Ça, franchement, énorme. Bon, écoutez, du coup, dites-moi comment on appelle notre chouette, quel nom on lui donne, quel animatronique vous voulez au prochain épisode. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas fait encore. Et surtout, j'aimerais bien faire une salle avec tous les animatroniques traditionnels, genre Bonnie, Foxy, Freddy et Chica. Bon, on a déjà Freddy et Foxy, mais on n'a pas Bonnie, ni Chica, ni Ballon Boy. Par contre, je les ai capturés en version télécommande, là. Enfin, j'appelle ça télécommande, parce qu'en gros, je crafte la télécommande et ils viennent à moi. Donc ça, je les ai eus. J'ai même le cupcake diabolique, là, qui m'avait traumatisé au début de la série. Hein, Chica? Oh, le rire de Foxy, j'en peux plus. C'est n'importe quoi. En tout cas, voilà, bah écoutez, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, bah la fantôme-puppette, je sais vraiment pas comment on peut la capturer, hein, vraiment. C'est très, 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 très compliqué. Ouais. Salut Freddy, coucou. Le rire de Foxy, j'en veux plus. Un énorme merci aux membres de la chaîne, plus particulièrement aux membres Emerald, Takumi et Sovnap. Merci beaucoup pour votre soutien. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Je serai en live ce mercredi, 18h à 21h, sur Twitch. Voilà, si vous voulez suivre mes aventures en dehors des vidéos, ouais, sur les lives. Et puis plein de bisous, très bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, les autres ce sera la semaine prochaine ou celle d'après, oui. Des bisous, bonne soirée ou bonne journée, bye bye, bye.